on fouille des sites d'habitat extraordinairement bien conservés. Et en fait, grâce à ça, on peut entrer à l'intérieur du fonctionnement des communautés préhistoriques comme pratiquement aucune fouille archéologique ne peut le faire à l'échelle de la planète. Vous voyez ici une petite épée en bois, un petit arc en bois aussi, en bois d'if, et ici cette malhabile petite pirogue taillée dans un morceau de bois. Ça nous montre que sur les sites lacustres, on a parfois des jouets qui ont été fabriqués par des enfants pour jouer, peut-être pour s'exercer, pour s'entraîner, et qui ont été conservés pendant des milliers d'années. Alors il y a des jouets en bois qui se sont conservés, mais on a ici par exemple aussi des exemples, en fait, c'est des petits récipients céramiques aux formes malhabiles qu'on interprète volontiers comme des jouets d'enfants. En fait, ça, c'est probablement des choses qui ont été utilisées en quelque sorte dans des maisons de poupées de petits lacustres il y a des milliers d'années. On sait que depuis des milliers d'années, les gens utilisent des frondes parce qu'en fait, on découvre très souvent des balles de fronde. Vous voyez ces petits cailloux ici qui sont conservés, donc qui ont été légèrement arrondis pour augmenter leur efficacité, donc pour leur projection par des frondes. En revanche, les frondes elles-mêmes ne sont d'ordinaire pas conservées. Et là, on a un exemple absolument rarissime d'une fronde conservée qui vient d'un site neuchâtelois et qui a pu être reconstituée par des comparaisons avec des informations qui nous viennent d'Égypte ancienne. Alors dans un registre très différent, sur les sites lacustres, on peut avoir des excréments. Eh bien, ce sont des petits restes végétaux, minuscules, qui sont des grains de framboise et de fraises. Dans le caca, si on veut, on a les restes d'un petit encas, un goûter de fraises et de framboises, consommé probablement par un lacustre il y a plus de 6 000 ans.